Bonsoir tout le monde, bienvenue. Sans qu'on parle en charpie. Service adjoint chef Bertin, une TPMO BT60. Bah, excusez-moi, je voulais rejoindre le BT LP s'il vous plaît. Votre 12. Prise de service du sous-lieutenant Woods, unité psy grand temps d'affectation sur brigade de Locke-Marie, bonjour à tous. Mes respects, lieutenant, je vous laisse rejoindre votre unité. C'est bien reçu, merci. Thank you.
Pré-service gendarme André sur BTLP, bonjour à tous en attente de dispatch. Respect gendarme, je vous laisse rejoindre le mur de dispatch, merci. Califano sur longue. Je vois l'idée. Ouais. Je vois l'idée. Tiens, en RP, on s'en doute un peu. Comment, J? On va avoir l'écoute. Passez sur J1, s'il vous plaît. Prise de service du maréchal des logis chef Jordan, à ton affectation sur BTLP. Bonjour à tous. En attente, Jordan, s'il vous plaît, merci. Bertin, sur ta courte. Je t'écoute. ETA, sur ton arrivée à BTLP. Ouais, j'arrive. Ouais, donc pour t'expliquer, on va faire une ORC ce soir. Donc je te laisserai prendre les deux stagiaires avec toi. Il y a Bailly qui arrive. Ouais, je te laisserai prendre les deux. Je te laisserai prendre. Eh ben, tu arrives avec lui. Là, je fais... le colonel m'a demandé de passer un petit message, donc je vais passer le petit message. Et puis. C'est quoi le message? Par rapport au. Ce gendarme Bailly Michael.
Stagiaire PMO à BT Sozon, en attente de dispatch. Bonjour à tous. Bonjour gendarme, je vous laisse rejoindre BTLP avec le l'adjudant-chef Bertin, s'il vous plaît. Merci. Ok, on se voit après Bertin, t'inquiète. Ouais, mais c'est quoi ce message? C'est bien pris, je reviens sur rapport, BTLP. Par rapport au manque de policiers que certains ont eu dernièrement. Encore aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps, donc je vais remettre un peu d'ordre. Aujourd'hui ou pas? Non, hier et aujourd'hui. Ça va, mais je te laisse, à tout de suite. Non, mais parce que j'ai encore reçu des papiers bizarres, ça me saoule. Ouais, on en parle après si tu veux. Ça me saoule. Oh, qu'est-ce qui t'énerve encore? J'ai reçu des papiers bizarres. Et je libère ta cour. Faut que tu bouffes, par contre, je vais pas être là. Ouais. Il est pas là, Reverse? Bah non. Ah, je sais pas, il m'a dit qu'il serait là tout à l'heure. Alors, je vois. Je sais pas, moi, il y a personne. Ah, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 7 seulement au BTLB. Ça suffit pour faire une MP, une V2. Ouais, il y en a 3 sur GI et déjà 1 sur PRI, hein, c'est qui ça? C'est moi. Ok. Ah bah il y a Sinclair en plus, donc il y a de quoi faire une PMO. Demi-tour. Ah, pourquoi il faut être deux confirmés pour avoir une PMO? Non, mais je vais aller le chercher. Prise de service, lieutenant Sinclair, unité PMO, en attente de dispatch à la brigade de Sozon. Mes respects, lieutenant, je vous laisse rejoindre BTLP, s'il vous plaît, avec l'adjudant-chef Bertin et le gendarme Bailly. C'est bien reçu. Je ne vais pas nous demander d'ouvrir une PMO sur BT, quand même, j'espère. Je sais pas, il y a un... Vous êtes où, là? Je vais même pas faire demi-tour à la station, j'arrive. Tiens, tu paries combien que t'as à Komarov, là, le véhicule qui est là? T'es tout seul dans le véhicule? Non, négatif. Raté! Tu dois devoir me supporter! Fais bonne, tu feras tirer. Soit je vais avoir un problème parce que je vois qu'un point. On est en voiture, c'est normal. Je t'écoute, tu freines. Ça me perd. Ouais, transpété. Bah ouais, donc j'ai le directeur de la sécurité intérieure qui aurait besoin d'effectifs pour faire le. Pour gérer l'événement de ce soir, qui est le transfert là, du corps de Ramsam. Donc ils ont besoin d'effectifs pour sécuriser puis pour les escorter. Alors, pour le PMO, on voudrait bien venir, mais pour l'instant on est appelé par commandement sur la brigade de Le Palais. Ouais, c'est à 21h, donc il est temps. Ouais, je pense qu'on a encore 20 minutes, 23 minutes. Je vais en parler au commandement et puis on verra. Ouais, affirmatif, c'est bien reçu. Transmet. Vous pouvez passer Psygue 1, s'il vous plaît? Je peux passer Psygue 1. Merci. Oh bah il est cool, franchement le major, il est jamais chiant. C'est qui qu'on a? On n'a pas d'élève gendarme? Non, gendarme. D'armes et Bertin. Gendarme Bailly qui est en service avec vous toute la soirée hier. Le respect messieurs. Mes respects lieutenant. Là, ouverture de PSIG. Le service du lieutenant Colonel Metal, bonjour à tous. Mes respects, mon colonel. Les pros au service, on sait pas. Bah, le Comaria. Je sais plus, taquine là. Hop, moi je demande pas non plus où Campbell prend son service. Encore que souvent il est au BTLP quand même. Sinclair, on m'a parlé qu'il voulait faire une ORC ce soir. Qui? Je sais pas, le commandement. Pour faire une ORC, il faut déjà qu'il y ait un BRI. Alors, BRI ou PMO?
Pas confondre RC, ouais, des pertes, bien entendu, également. Je répète ce qu'on m'a dit. Bonsoir à tous, prise de service du lieutenant Campbell sur BT Le Palais. Ouais, non, moi je parlais pour gendarme. Bonsoir, mon lieutenant. Bonsoir à tous, prise de service du Major Bowers sur Brigade de Le Palais. Je rejoins mon unité. T'imagines, nous on dit ça, mec, on se fait nuquer direct. Ah, mais c'est GI, c'est voilà. Unité d'élite. Donc, déjà, normalement, on est censé le faire tout de suite, nous. Hein. Mais on est ouais. V2 normalement. Bah, écoute, on nous a dit de faire un retour brigade. Mais moi, j'ai pas compris, mais bon, écoute, on nous a dit. Pas compris, ça dépend. Bah, il veut que je vienne sur Brigade Le Palais, y'a pas de soucis, j'arrive. Ce que je comprends pas, c'est que il y a très peu d'effectifs en départ, en DP, quoi. Bah, comme d'hab. Après, tu verras, mais tu verras, à 21h, ça ira mieux, il va y avoir du monde. Du moins que la LP est créée, c'est bon après. Il faut quand même une LP, une V, une V2 quoi, minimum. Tiens, ça va direct. Alors, block off de la croix, c'est direct GI ça. Bon, ça s'est bien passé, hein. C'est clair la formation cet après-midi. Bah ouais, il y avait qu'un seul candidat. Ouais. Il avait confirmé sa participation, le SAP. Bah oui. Mais donc confirmé. Ah, il y en a un qui est venu. En retard. Départ de patrouille, POV 3, 5 militaires. Ouais, patrouillez vous. Ça c'est l'Oupsig.
Prosper Rivers. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. T'es où là? BTLP. Bah, on arrive derrière, rejoins-nous. Ouais, je rejoins le garage. Le major m'a dit qu'on avait une escorte du convoi de M. Ramson après à 21h. Bonjour, presse de service de l'élève gendarme Largo, mettez le palais en attente de disparition. Pour l'instant, il nous a demandé de revenir. C'est juste pour ça qu'il nous a fait revenir pour dire qu'il y avait une escorte. Oula, il y en a un. Oula. Ouais, ouais. Je vais rester loin de sa voiture, lui. Respect, monsieur chef. Respect. T'as oublié le lieutenant, hein. Je dis ça, je dis rien. Gendarme. Respect, Rivers. Bien, regarde, j'ai pas oublié. L'agent Largo. Respect, gendarme. Hein. Départ de patrouille pas mis LP 3000. C'est juste que je parlais pas fort les gars, c'est juste ça. J'attends de savoir si je vais y reprendre ma tenue PMO ou pas. A mon avis tu peux aller reprendre ta tenue. Oui, tu peux aller la reprendre, il me l'a dit. Ok, bah je vais chercher, tu me tires au courant à la radio au pire. Je vais quand même aller, salut. Mes respects messieurs, donc mes respects majors et mes respects les gendarmes. Respect. Respect major. Adjoint chef. Gendarme. Ça prend à eux qu'on voit. On va vous dépêcher. On va s'occuper là, du convoi. Vous inquiétez pas. Commandement de Pamivet de sur. Arrivé. Patientez, le commandement est au téléphone, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ok, donc on va sécuriser. Ok, bah écoutez, je m'en charge. Je me charge ça et je vous dis. Normalement, t'as pas de difficulté à m'entendre, tu m'entends bien. Je vois que le micro il s'allume bien, donc c'est bizarre quand même ce que tu me dis. Daniel. Ah écoute, deux secondes s'il te plaît. Ouais, c'est juste pour te dire qu'il y en a qui t'appellent sur le long. C'est qui? C'était le V2. Je crois. À l'écoute de commandement. Y'a qui est là? Bertin, Sinclair il est où? Il arrive, il est là. Ok, très bien, je dois vous voir, tout le PMO je dois vous voir. Et moi major quand je viens de faire une prise de service. Oui, j'ai entendu. Très bien. Sinclair sur courte. Je laisse venir vers nous, s'il te plaît. Départ de patrouille pas mivé. Bonjour à tous, prise de service du colonel Lerna. Respect mon colonel, pouvez-vous passer courte au P1 s'il vous plaît? J'arrive. Bonjour mon colonel, nous avons ce soir...
pas ce qu'il veut nous dire. Surprise. J'aime pas les surprises. Excusez-moi, mais aspect mon lieutenant. Aspect gendarme. Gendarme, vous rejoignez Pam LP s'il vous plaît. LP, très bien, c'est ouais. Reçu. Je vous remercie. Mes respects à ceux que j'ai pas vus. Sinclair, le colonel, le colonel arrive, le colonel Verda arrive. Je vais avoir besoin de vous d'ici 10 minutes, d'accord, pour un convoi. Attends. LP, le commandement sous longue. À l'écoute. Je vais vous demander de vous mettre sur la place de LP, s'il vous plaît, en stand-by pour début de convoi dans 10 minutes, donc pour commencer à sécuriser l'arrivée du directeur de la sécurité de la préfecture. C'est juste, nous partons juste récupérer effectifs sur BTLP, nous revenons directement. C'est bien pris, merci. Donc, il y a un bonjour, convoi, monsieur. Je vous ai mis des... Aspect, mon colonel. Aspect, mon colonel. Aspect, mon colonel. Excuse-moi, banal. Merci, mon colonel. Je croyais qu'il était là. Vous êtes tous au palais. Donc, il continue à balancer. Daniel, t'inquiète, on t'écoute. Okay. Je note en même temps. Donc, le convoi, je vous ai mis des points sur le GPS. D'accord. Ouais. Je vous ai mis des points sur le GPS, à savoir que le convoi va faire donc place de LP. CHU. CHU. Commandement de l'élève gendarme. Ah, attends. Allez, écoute. Oui, du coup, de l'élève gendarme Largo, j'ai un monsieur de la préfecture au niveau de BTLP. On va arriver, merci. Donc, début du convoi. Début du arrêt, convoi, c'est fin du convoi. Non, c'est arrêt. Arrêt. Donc, on va jusque-là. Voilà, on fait. Il manque un point alors. Non, place LP. Oh putain. À l'écoute. Allez, parlez sur courte. Oh putain. Oh là là. Donc début du convoi, place LP. Il va jusqu'au CHU. D'accord. Ils reprennent. Là, ils chargent le corps de Monsieur Ramson. Et ils prennent la direction du cimetière de Rochefort. Là où il y a marqué arrivée du convoi. Ouais, ok. D'accord, donc il faudra sécuriser les axes pour que le convoi ne soit voilà. Pas bloqué. On fait un V quoi. Ouais. Voilà, en gros on fait un V. Donc je vous ai mis sur la carte les points que j'aimerais bien que vous prise de service adjudant chef Brian Miller, unité PMO sur BT Le Palais en attente de dispatch. Tes points, si tu veux. Oui, je veux t'inquiète, bien. Je dans tête, on se déjà pour mon poste. Mes respects, mon adjudant, vous pouvez nous rejoindre sur la place d'armes, s'il vous plaît, merci. Les points. T'améliores. À l'écoute. C'est suivi. Prise de service comme membre d'unité PMO en attente de dispatch BT Le Palais. Mes respects, mon commandant, je vous laisse nous rejoindre sur la place d'armes, s'il vous plaît. Et après. Vas-y, réitère, s'il te plaît. Je fais les points. Attends. Mais bien que ça soit que les gendarmes qui le voient, il y a 5 là. Tu dois te faire accompagner par un membre de l'IGN, hein, si t'es convoqué. Ouais, sauf que moi j'ai besoin d'effectifs à 21h. Essaye de voir avec lui pour décaler un petit peu. Donc le départ est... Alors je vais saluer le plus gradé que je vois de visu là directement. Donc apparemment c'est le major. Mais respect major. Négatif, il y a le lieutenant qui est là. Ah, pardon. Respect à l'ensemble. Respect mon commandant. L'ensemble. Je te laisse remettre les points comme. Enfin, tu as mes respects, mon commandant. Je te laisse mettre les points comme. Ah, regarde, c'est bon. Déjà presque fini. Voilà, nickel. Par contre, c'est arrêt du convoi, pas du couvoi, ça clair. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, pour vous résumer, commandant, il y a une épulture. Corps de.
de Monsieur Ramson ce soir. Oui. Donc départ depuis la place de LP jusqu'au CHU, CHU jusqu'au cimetière de Bangor. D'accord. À pied. Rochefort, pardon. Non, ce sera se faire à pied en véhicule. D'accord. Ce sera en véhicule, donc j'ai demandé le concours du PMO pour sécuriser les axes pour que le convoi ne soit pas coupé. Ok. Donc ici aussi. Bonjour monsieur. Respect mon colonel. Je l'ai mis sans rien. Pas du tout ce que je voulais faire. Mais respect colonel. Respect mon colonel. Il est fatigué Sinclair. Je suis tombé, j'étais sur la carte. Ouais. Donc si vous pouvez sécuriser tous ces points là de façon à ce que le convoi ne soit pas interrompu, ce serait pas mal. Départ patrouille commune LP 4 militaires. D'accord. Oui, ça va le faire. Ouais, ok, sur la carte, c'est bon, j'ai mis les points. C'est pas un convoi rapide. Non, c'est très lent, mais du moment qu'il y a personne qui interfère dans le convoi, ce serait pas mal, quoi. Ouais. Donc on a aucune idée, par contre, on a aucune idée de combien ils seront présents. Donc j'ai aucune information. J'ai eu le chef de, enfin, le directeur de la sécurité qui m'a dit aucune idée. Ils peuvent être 5 comme ils peuvent être 50. Donc il a aucune idée non plus. Okay. Donc, par contre, j'ai donné directive à LP de ne faire aucun contrôle sur le convoi, en sachant que ce sont des gens qui ont perdu quand même un ami ou un membre de leur famille. Donc on respecte quand même, même si ce seraient des gens qui seraient potentiellement recherchés, je pense qu'on peut respecter ce moment de recueillement pour ces personnes. On aura d'autres occasions pour les ramener à la brigade que sur une épulture comme ça. Ça vous convient, mon colonel? Je vous laisse vous déployer. Je vous laisse vous organiser en bon PMO que vous êtes tous. Ok, ça marche. Je sais pas si on va être suffisamment nombreux. Une question là, c'est la place CHU jusqu'à cimetière de Rochefort, ouais. D'accord. Vous avez l'ordre des passages numérotés. Après, PMO 1 peut bifurquer sur PMO 6, après je suppose. Alors. Ok, bon, on va faire le point. Capitaine Dupuis de la Bagnale sur Longue. Pouvez-vous passer courte au P1 s'il vous plaît? Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir le convoi avec la Mégane. Vous allez tous vous mettre en moto. Pour le départ du convoi, il faudra certainement bloquer le feu du Crédit Mutuel. Il faudra certainement également bloquer le feu d'Hypercafé. Je rajoute le point en conséquence. Ouais. C'est fait, t'inquiète. Vas-y, Sinclair. Les points PMO, c'est les points supplémentaires à bloquer. Prise de service du maréchal de Louis-Chef, bien en attente de dispatch. Bonjour à tous. Bon respect, vous enlevez deux, s'il vous plaît. C'est suivi. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon pour ça. Donc les trois, ici, une fois que le convoi est passé, donc suivent derrière. Et vont se placer en PMO 2, PMO 4 et PMO 5. Pour information, PMO LP, stand-by, place LP. C'est bon pour tous pour l'instant. Bon. Okay. Entre temps, une équipe donc au niveau de l'aéroport. L'aéroport. De l'aéroport, de l'hôpital, la sortie de l'hôpital. Une fois que tout ça est passé. Moi aussi, on va être assez en fait. Par contre, pour l'aller, il faudrait quelqu'un sur PMO. Début de commandement mobile disponible sur OP1, deux militaires. Il faudrait quelqu'un, hein? Je pense, hein. De quoi j'ai pas entendu. Quand on va de la place de Palais au CHU, il faudrait quelqu'un sur PMO 2 pour fermer le pont-levis. Ah bah oui. C'est pour ça. Ah oui, effectivement. Donc, alors, dès le départ, donc... T'as du nom, c'est ni gendarme André. Je vais couper la longue, ça me saoule.
Orsini n'est pas en service. Dès le départ. On a nos 3. Donc ok, Sinclair, on va nommer. Donc Sinclair. Ouais. Ensuite, on va mettre Miller. Excusez-moi, je... Vous notez le nom ou je note? Je marque. Ok. Miller, ensuite. Ensuite, Para. C'est fait. Brody. Le colonel, y a pas Para. Il est pas là, Para? Non. Ok. Bah, Bertin alors. Monsieur. Brody, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bailly, vous bloquez l'hôpital. Bien pris. Le premier LP arrivé des motards et du préfet sur passe à paix. Ok. Et Rivers. Pour le retour, il faudra que Brody, tu te décales sur la route de droite. Non, alors. Ils sont le palais, t'inquiète pas. Ensuite, bah Brody, voilà, il sait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci. Donc Sinclair va se mettre à la deuxième intersection. Miller à la place de PMO 5. Bertin. Bertin en 6. En 6. Et Rivers, il sécurise l'arrivée du convoi. Ok, c'est reçu. Tout le monde est bon. On est. Elle est vers où l'entrée? C'est la ligne jaune sur la carte là? L'entrée. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la ligne jaune. Et donc après, voilà. Sera là. Ouais. Va falloir voir comment on gare les mecs. Bah, dans le. Ah bah. Comment ça s'appelle? Tout le temps le bordel. Là. Ils vont combien ils sont? Bon, on va déjà se rendre sur place. Et s'il faut, on va demander mettre quelqu'un qui ferme, non? Attention. Allez, on passe en radio, on avance, on va être à la. Le problème c'est quelqu'un qui ferme, on l'a pas le quelqu'un. Donc chaque fois que un gendarme sera pas affecté. Je pense qu'on peut faire tourner. Quand un PMO ne ferme pas. De toute façon voilà. Une fois que la position par exemple de Sinclair est passée, bah Sinclair il suit le convoi, ce qui est logique. Donc il y aura tout le temps quelqu'un derrière. Pour rappel messieurs, il n'y a pas de remontée de convoi. On a largement le temps. Aucune remontée de convoi. On passe derrière le convoi, sinon c'est qu'on est devant. Celui qui sort une moto s'annonce. Attention, je sors une moto. Ouverture par le chef Biondel d'une V3 avec un effectif de LP. Psyche, je vous laisse ouvrir votre unité. Garantie à ce que c'est en option. Négatif, personnel, c'est juste pour faire de la place pour les autres. Prise de service, élève gendarme, Palaroche, notre tente d'affectation à la brigade de Le Palais. Mais respect gendarme, je vous laisse rejoindre V3. C'est bien reçu. Tout le monde est là. Affirmatif. Ok, c'est parti. Chacun prend ses positions, hein, même si on commence pas le blocage, au moins on est prêt. Personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de motos. Ah, peut-être qu'on va en voir le double sur la place. Ah, je parlais dans l'unité. J'ai bien compris.
pouvez parler sur courte, j'y étais pas. De quoi? J'étais en train de parler sur courte, le problème c'est que je n'y étais pas. Ah, c'est... C'est pas simple. C'est fâcheux. Prise de service du maréchal pour les stagiaires, chef, faites attention, brigade de saison. Bonjour, brigade Le Palais, bonjour à tous. Bon respect, je vous laisse rejoindre V2. Bon, dis, tu te gares là? Bonsoir messieurs, colonel sur cours de PMO. Ben respect mon colonel. Respect messieurs. Mon colonel, que dites-vous si jamais, enfin à défaut parce que là ils ont fini leur entraînement, si nous allions faire un petit tour sur Weddick et Watt? Là on a le convoi finireur de l'autre trou de balle là. Bref. Ouais. Ok, ouais. À l'issue, mais on a pas du tout, on sait pas du tout combien de temps ça va durer. Si après le convoi, les gens vont repartir ou si ça va, on sait pas. Ok. Sinon, sinon on y va nous en bleu en fait, au pire. Ah bah oui, oui, on peut avoir une maritime. PMO sur cours de métal pour le colonel Califano. Ouais, je suis là. Ouais, je demande l'autorisation d'ouvrir une sino 2 effectifs et une psych 3 effectifs. Ouais, c'est viable, vous pouvez. Ouais, c'est bien reçu, merci mon colonel, je repasse sur courte psy. Ah, tout à l'heure. Bon, on va aller faire un petit tour là-bas, voir s'il y a, donc, du coup, s'il y a du nouveau d'activité. On revient, au pire, on reviendra rapidement. Ça marche. Ami V2 de commandement sur l'eau. Bertin, toi, t'es plus loin, t'es au stop. C'est moi qui suis au feu. Stop de gauche là. Ah, si. Stop après, après prochain. Ouais, ouais. Sur position. Pour reverse ébahi, pas la peine de fermer pour l'instant. C'est bien pris. Yo captain, comment tu vas? C'est le... Ouais, fille, on prépare l'escorte. Non, négatif, c'est pas le préfet, c'est les funérailles de Ramson. C'est les funérailles de Maxime Ramson. Tout simplement. Mon colonel, il y a à peu près combien de motos sur position, s'il vous plaît? Merde. Sur courte, il y a combien à peu près d'individus sur position, le palais? Environ. Non, négatif. Il avait pas de maison dans des... Ah si, sa maison mec. Ah ouais, tu me fais penser, est-ce que quelqu'un l'a racheté sa baraque? Elle était dans des... Mais si, je m'en rappelle, putain, j'y étais allé une fois.
dans des rochers. Ah oh, putain, il y aurait para avec moi là, il m'aurait dit. De toute façon, quelqu'un a dû la reprendre de son groupe. Pour se mentir. Tony. Ouais, j'écoute. Ouais, dis-moi, on a encore un autre petit souci là. J'ai le donc une enquête IGGN qui est reprise par le tribunal maintenant. Bah non. Bah écoute, c'est ce qu'ils viennent de dire à Malheureux. Bah non. Parce que en fait, je t'explique. Oh, il y a une enquête. Bon messieurs, je vous fermez vos bouches là-dessus. Il y a Malheureux qui est venu me voir par rapport à Jackson. Bah, d'accord. C'est qui, une enquête en cours. Il est venu me voir par rapport à la sanction, par c'est rapport qui, ce Malheureux. Oh, l'ancien gendarme. Vous parlez de l'ancien gendarme ou... Je ressortirai. Non, désolé, on parlait de lui il y a 5 minutes, c'est pour ça que je pense à lui. Nostalgique. Ah mon dieu, putain. Non, mais... parler de qui? Donc j'ai l'IGGN qui s'est rapproché de moi pour me parler du cas de Jackson, d'accord. Donc ils sont venus me voir par rapport à la sanction applicable, donc soit un retrait d'OPJ ou 4 jours. Je dis ça, vous voyez, parce que l'OPJ, normalement pour le retrait de l'OPJ, c'est avec le tribunal. Et Garceau leur a donc a dit à l'IGGN qu'il reprenait le dossier. Bah non, s'il n'y a pas de plainte, il n'a aucune raison. Donc on est d'accord, soit il valide le retrait de l'OPJ, soit pas. Spam pas. J'ai ma soin avec moi, je lui posais la question. Bon, répétez-moi l'histoire. On a l'IGGN qui a contacté le tribunal pour avoir leur version sur le retrait de l'OPJ pour Jackson, et ils lui ont répondu qu'ils reprenaient l'enquête en fait pour le jugement dernier. Donc en gros, c'est eux qui décident. Ok. C'est donc diligenté par le garçon, on est d'accord? Ah, je sais pas, attendez, parce que là on me dit après il doit demander l'accord au président maintenant aussi. Là il y a Masson en train de contacter Walsh. V2 de commandement. V2 à l'écoute. Pouvez-vous vous rendre sur CHU passé Courtois, hein, s'il vous plaît, merci. C'est suivi de V2. Le convoi va débuter. Califano, vous êtes sur course? Toujours. Donc il s'est renseigné auprès de
du président du tribunal. Donc apparemment, Delacroix a demandé le retrait de l'OPJ de Jackson. Et donc, point. Et Garceau a dit qu'il reprenait en main pour le jugement dernier. Garceau a dit qu'il reprenait en main pour le jugement dernier. Il n'y a pas de jugement, c'est une enquête interne. Il n'y a pas un tapis ouais, contre Jackson. Je te dis ce qui a été dit. C'est pour ça que j'interviens avant que ça se fasse. Ok. Ok, donc apparemment il a juste dit qu'il allait voir le président. Ok, bon, on fera plus simple. On évitera de passer par lui, nous, dorénavant. Ouais, bon, je pars en tête de convoi, je suis obligé de... Bon courage. Pour information, un véhicule blanc de type Maserati vient de se présenter sur l'hôpital. Ouais, départ convoi, on bloque tout. On bloque tout, oui. Vous dites de s'arrêter ou de faire demi-tour. Bah, il est déjà rentré, il est rentré avant que vous me disiez de bloquer, en fait. Yeah, ouais. Va vérifier vite fait avec la moto. Pour l'instant, le convoi fonctionne, je le vois. On voit va arriver au niveau de l'intersection pont-levis. Il n'y a pas mis V2 sur CHU. Donc c'est bon pour l'individu. Vous ferez gaffe, il y a un des véhicules de gendarmerie qui a mal à la tête. Négatif, je crois que c'est tout le monde qui a mal à la tête. Dans ces cas-là, adaptez-vous. Affirmatif, tout le monde, faites attention, messieurs. Je serais étonné qu'on aille jusqu'au bout. Ça serait beau. On y croit, mon coup. Eh ben, y en a. Ah, ce que je disais à Sinclair. Départ de patrouille PAM IV3, deux militaires. Ouais, si Bertrand, on roule lentement, ça passe. Là, c'est bien le dernier quand même en bas. Quel dernier véhicule? Ils sont pas avec nous ceux-là, hein? À partir du moment où t'as vu les motos passer, c'est que nous on est en fin de convoi. Hein. Ouais, mais il y en a qui se sont rajoutés derrière. En fait, attention, roulez vraiment lentement. Il y a un véhicule dans le dispositif qui sort de l'hôpital. Bon, il a pas voulu s'arrêter. C'est pas arrêté? Celui qui s'est incrusté, non. Quel type de véhicule? Pas bus. Pas sûr. Un véhicule blanc. Dernière moto passée. Je crois qu'on aura un ORC après. Par contre, les voitures là qui se sont incrustées sont dans le convoi ou pas? Parce qu'ils sont encore en train de le suivre. Oui, bah, je pense que voilà, hein, y a pas de, y a pas une liste VIP pour ça. Ouais, ils font partie du convoi, faudra les réintégrer. Voiture blanche qui sort de l'hôpital.
C'est... Il faut vraiment rouler très très doucement. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Waouh, ça fait mal à la tête, hein. Pfiou. Ouais, moi je me mettais en dernier, je crois. Oh putain. L'autre point, moi, il faut que j'aille où après? Moi je suis où, attends? Bertin, normalement, bah t'as plus de points, toi. Ah si, après le pont, au croisement. Après le pont? Ouais, regarde, après le pont, tu remontes au croisement de la route principale, là où il y a les taxis. Ouais. Ah, je passe le pont, ouais, ok. Oh, ouais. Ok, ils veulent passer, ouais. Okay. Enfin, moi, je l'aurais pas fait par passer par là, mais bon, pourquoi pas. Écoute, ça va faire boum, hein, je te le dis. Hein. Je pense, ouais. De toute façon, moi, déjà, le temps qu'il faut que tout le monde est passé et que je retire mon balisage, je serai le dernier, donc. Du coup, ok, ben, je pars par là, en face, et je tourne à gauche, et je vais au bout, je vais directement au truc. Hein, c'est ça? Ouais, tout à fait, tu prends au gauche le pont-levis, tu ouais. Prends celle qui est... Tu vas un peu tout droit, puis côté gauche, tu sais, là, il y a une intersection, ça. Ouais. Là, ça repart, je crois, là, vas-y, remonte. Bertin, t'es pas à ton pont après le pont. Affirmatif, j'ai juste aidé les gendarmes. Ah, c'est bien reçu. Arrivé d'un taxi, attention.
Attention Brody, t'as un véhicule qui arrive. Et après. Magnifique le convoi. On est vachement nombreux pour le coup. Après, pas te mentir que quand il y a tout le monde qui passe à les FPS, c'est pas ça. Hein. On va pas tarder à se mettre en place. Attention, hein, des gros mots de tête. Hein. Salut Mathis. Oh, captain. Ah bah c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, mon colonel? Ça va être compliqué, je pense. Comment ça bloquer? Ah non, il y a des gros soucis de tête là. Maillon orange. Ah oui, effectivement. Ouais. Ah, je l'avais même pas vu. Bah, moi, ça vient de m'arriver. Ah, ça y est, j'ai l'impression que ça se débloque un peu. C'est pas complet. Mais prudence, hein. Non, pour moi, c'est pareil. Non, moi, ça bloque. Hein. Moi aussi, ça bloque. Ah, je vois avancer un petit peu. Je pense que quand... ouais, voilà, faut faire gaffe aux explosions. Le nombre qu'on est. Bon, c'est la raison pour laquelle moi je suis descendu de la moto. Pareil. Et voilà. Lol. C'est mal ça, hein? On a tous été jartés là? Ouais. Bah, j'ai l'impression. Il en reste un petit peu en jeu. Ouais, mais Ils sont tous en train de se faire jarter. Casse-couille. Ouais. Ça plante. En fait, pour les rassemblements comme ça, il faudrait pas faire ça dans le palais. Il faudrait faire ça parce que déjà dans le palais ça lag. Faudrait être ailleurs, faudrait être en pleine cambrousse. Faudrait mettre un cimetière en pleine cambrousse. Ah, c'est pas le... la bouffer la ficelle. Quoi? Tu viens de bouffer la ficelle. Quoi? Toi qui bouffe la ficelle. Non, ce qui a bouffé ficelle, c'est Califano. T'inquiète pas, les gars, c'est dans la boîte. Non, par contre, un truc comme ça, quand ils savent que c'est le palais, je comprends que ça prend un hommage, etc. Mais prenez moins de motos, prenez des vitaux, et puis venez à plusieurs dans un véhicule déjà. Bah ouais. C'est la faute à Ransom cette fois. Lol. Ah mec, c'est chaud, attends. Bon ben voilà. Tony avait raison, il n'y a pas eu l'explosion, mais...
le temps que tout le monde revienne sur ses postes et tout. On peut se reco ou pas? Pas essayer. En même temps, ils disent quoi sur la chatbox? Bâtard. Tu es un bâtard. De quoi tu parles? Un Miller, ce qu'il vient d'écrire dans la chatbox. Tu veux que je fasse un jeu de mots qui va vous mettre... Allez, je vais les faire rager. J'ai peur là d'un coup. J'ai raison d'avoir peur ou pas? Putain, il est sérieux l'autre. On en parle de votre convoi de merde là qu'on doit faire ce soir. C'est qui conduit le Raptor? C'est pas moi. C'est le P. Parce que celui qui conduit le Raptor. Oh yo. Nous on était en focus et je trouve que le convoi qu'on fait ce soir est complètement stupide, sachant que c'est un mec qui a fait du crime, qui a tout fait dans sa vie. Je vois même pas pourquoi on l'escorte, mais bon. On l'escorte parce qu'il n'y a pas d'escorte. Brian, ta gueule. Puisqu'il n'y a pas un d'escorte. Bailly, ta gueule. Oh là là. Et puis c'est la rançon de la gloire après tout. Non, on peut marquer ça, ce n'est pas un canal de chat, s'il vous plaît. Un chat, miaou. Miaou. Nintendo 4. Sérieux, on peut pas annuler ce convoi de ce soir. Parce que je trouve ça complètement stupide. Et faire bugger le serveur, pas besoin de hacker. Venez à l'enterrement de Ramsam, ça suffit. C'est la faute à Berto de toute façon, non? C'est la faute de Ransom cette fois-ci. Même moi, il nous casse les couilles. On en parle? Vas-y, moi je suis dans le channel 1, Gêne. Sinclair. Du service du gendarme du maréchal de chef Del Piero en attendant l'espace brigade le palais. Bonjour. Eh ben bien sûr. Allez, on va préparer les vitaux.
Reprise de patrouille du Major Benel. Reprise de service, adjudant chef Brian Miller, une TPMO, reprise de patrouille sur Béarien. Sur Courte, est-ce que les véhicules du coup ils sont là-bas ou... Ah si, les véhicules sont là-bas. Je vais y aller pied. Ok, bon, bah... attends, je vais passer avec un véhicule plutôt. Bah écoute, moi... Bah attendez, on arrive aussi hein. Bah oui, non, mais je sors juste ceux qui... Pour ceux qui sont sur BT Sozon, je prépare un Vito et puis on va revenir sur... Pour qu'ils puissent... À part Miller, à moi et moi, il y avait qui était sur le palais? Bertin, Rivers. Non, on était sur Sozon. Ah, ok. Il y avait personne d'autre? Je sais pas, franchement, je sais. Peut-être le colonel? Négatif, Tony, il était à Sozon aussi. Service du chef bloqué sur page d'hygiène, change la monité. Ça va, ça va. Bertin, ta radio. Pardon, oui. J'ai fermé les yeux très fort. Je regarde le mur, je vois plus rien. Voilà. Vous êtes. Bailli. Oui. Fermez les yeux très fort, ne bougez plus. J'avais préparé un Vito, mon colonel. Vous étiez où, Bailly? Vous étiez à... Sortie de l'hôpital. Sortie de l'hôpital. Bertin, moi j'étais au niveau de Taxi & Co. Ouais, je sais pas mec, je sais pas du tout franchement. Sur Courte, bonjour à tous. Ouais. Je sais pas du tout franchement. Le PM on l'a gonflé, il veut partir sur autre chose, possible, je sais pas, ça me regarde pas. Thank you.
Bonjour. Oh, bonjour. Oui. Major, c'est ça? Je sais plus. Major, adjudant chef. Ouais. Vous voulez servir? Il y a une moto plus loin là-bas, mais là. De chez nous ou de. Il y a personne en fait. Il y a aucun gendarme, elle est au milieu de la route. Oh merde. Mon colonel sur courte. Vous voulez que je vous emmène là-bas, que vous la réclamez? J'écoute. J'ai procureur maçon qui m'indique qu'il y en a une moto de chez nous un peu plus loin que Taxienko. Au milieu de la route. Une moto? Ouais, une moto de chez nous. Ok. Vous voulez que j'aille la chercher, mais il se propose de me déposer. Oui, allez-y. Attendez, je mets juste ma moto sur le côté et j'arrive. Ouais, mais vous avez plus de place. Vous allez faire? J'en mets une sur le côté. Ah ouais. Bon, ferme les yeux. Enfin, je demanderai au colonel comment on fait. Vous voulez que je vous emmène là-bas ou? Ouais, je vais juste bouger celle-là. Ouais. Attends. Sur courte, Bertin, tu peux pas aller la chercher, t'as pas la clé de la moto. Colonel, on fait comment du coup pour la moto? Je vais essayer de voir comment elle est déjà. L'affirmatif, elle est vraiment en plein milieu de la route. Mais comme ça pour éviter qu'il y en ait un qui la tape. Merci. Vous pouvez pas monter dedans? Bah non. Voilà. Attendez, y'a pas un dépanneur d'ouvert? Ouais, mais le temps qu'il arrive et tout, puis on a un autre véhicule gendarmerie qui est juste là. Ah bah il est là. Ah bah parfait, on va lui demander de l'ouvrir. Bonjour. Ouais. Bonjour. Vous pouvez m'ouvrir la moto s'il vous plaît qui est devant? Pardon? Vous pouvez m'ouvrir la moto qui est juste devant s'il vous plaît? Vous ouvrez la moto alors. Avec votre passe. Avec votre passe. Le truc c'est que moi j'ai un petit souci avec ma clé, je peux pas ouvrir les véhicules. Pour l'instant. Je vais demander à un collègue de venir rapidement. Je peux déplacer. Sinon, vous la mettez derrière. Au pire, vous pouvez la déplacer. Ouais, je peux la déplacer par contre. Ouais, au pire, merci. On va faire ça. Moi, je vous laisse à tout en chef. Merci, c'est très aimable. L'Evante aussi devant? Non? Non, juste l'Evante, non. Juste la moto? Ouais, juste la moto. Les dépanneurs peuvent ouvrir les motos, donc si vous avez un dépanneur à proximité, vous pouvez lui demander qu'il ouvre la moto. Dépanneur déjà averti, les gars, j'étais pas en service quand je leur ai demandé de déplacer les motos de gendarmerie, de les mettre sur le côté. Ouais, bah c'est bon, je viens de la mettre sur le côté, t'as votre moto au lieutenant. Bon, je suis en train de courir là, je passe le rond-point de la brigade Le Palais, c'est là qui peut venir me chercher. Non, bougez pas. Ah, c'est reçu. T'as rien de vous. Du coup, j'ai demandé au. Ça va, parce qu'il y a un dépanneur qui est en train de d'embarquer votre moto. Non, laisse ma moto tranquille. Ah, je vous remercie. Merci. Y'a pas de problème. Bonjour. Ouais, je replace votre véhicule en sécurité. Ouais, merci. Je l'avais juste déplacé sur le bas côté pour pas. Ouais, aucun problème. Hop, attention. Vas-y. Parfait. Ouais, y'a tous les motards qui se déplacent à pied. Je vous en prie. Merci beaucoup. Fin de service, les gendarmes. Donc, du coup, on se remet tous en place. Les deux effectifs restants, bonne soirée. Mef. Il est revenu, Brody. Faut facturer ou non? Bonne soirée, vous. On s'en fout. Ça sert à rien. Pour information, famille LP, prenons route en direction CHU-LP. Je vais attendre que la communication soit terminée. Deux effectifs, gendarme André et les gendarmes Largo. Bien, pour vous informer, il y a quelques effectifs PMO qui ont pris leur fin de service. Ils vont parvenir. Prise de service du chef Yondel, anciennement affecté à PAMI V3. Pour ma part, je suis de nouveau sur mon poste. Faut qu'on vérifie les postes encore. S'il faut ramener du monde, j'ai une voiture banalisée que j'ai utilisée pour ramener tout le monde. Si jamais. Y'a un véhicule gendarmerie au niveau de Taxienko. Ouais, c'est sûrement le gendarme qui va pas reprendre son service, je pense. Reverse, du coup, il revient ou pas?
Je sais pas si c'est celui qui m'a dit qu'il ne revenait pas, mais je pense que... Je crois que c'est lui, voilà. Parce qu'il n'est pas à son poste. Il faudra qu'un de vous parte en avance. Pour fermer la voie. C'est une marche, hein. Ils sont tous à pied. Ah bon. On va pas être galère. Ok, bah, ça va être parfait. Les mots de commandement. Les mots sur écoute. Les motards sont-ils en position? Affirmatif, ils sont en position à pied derrière VSAV, prêts à décoller. Je parlais des motards PMO, mon colonel. Affirmatif. Parti. C'est bon. Ça va le faire, hein. C'est bien pris, mon colonel. S'ils sont à pied, c'est largement faisable. On peut commencer à fermer? Ouais, ça va partir. Parfait. C'est bon pour ma part. Ok pour Miller. Ok pour Brody. Monsieur le dépanneur. Il y a une moto qui arrive à contre. Commandement de gendarmerie à contre-sens. Entrez l'hôpital. Ouais. Vous confirmez que je suis le convoi à pied. Loin là-bas. Affirmatif. Gendarmerie. C'est bon, j'y suis allé, j'ai bougé. Ouais. Vous pouvez la ramener sur brigade. Bertin, là où t'as pas le bisu sur ramener, une dépanneuse qui est en plein milieu de la route. Si, le palais. Ouais, Afi. Ok, je vais l'emmener. Vous vous mettez sur le bas-côté, on démarre. Qui va passer. Bon, bah, de toute façon, je vous laisse y aller, puis ouais. Je vous demande juste de vous décaler sur le côté. Ouais, ok, j'attendrai qu'il passe. Okay. Merci à vous. Pas de soucis, même. Dépanneur va récupérer la moto et nous la ramener sur brigade le palais. Celle qui est abandonnée. Bah, du coup, il faudra qu'il se mette en stand-by parce que s'il y a les. C'est ce que je lui ai dit. Ok, parfait. Commandement à tous les effectifs, départ du convoi. Je pense qu'il va être vraiment indispensable qu'on fasse tourner les clés même des motos, même si on n'est pas dessus, messieurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Si oui, mais en cas de tempête, ça changera rien, mon vieux. Donc oui, c'est passé quoi? Reprise de patrouille, pas mis V3 de militaires. Au cas où on a des personnes qui aient des problèmes, pour qu'on puisse monter sur leur moto, les déplacer au cas où. Mais après, comment on va de patrouille? Bah, il suffit de savoir s'ils reviennent ou pas, tout simplement. Après, s'ils reviennent pas, on sait ce qu'on a à faire. Comme les dépanneurs, de toute façon, ils ont les passes, apparemment, on peut toujours demander aux dépanneurs après de se rendre sur les lieux, là où il y a des motos bloquées. Y'a pas que la gendarmerie qui est emmerdée, hein. Tout à fait. Pour Bailly, tout le monde est passé, je retire et je suis en moto ou à pied? Ouais, en moto. Vu qu'ils sont passés, tu fais le tour vers moi et tu vas bloquer la route qui n'est pas bloquée. Tu passes par les dépanneurs. Il faut absolument... Attends, qu'il y ait quelqu'un derrière qui... Le service du chef d'insulation en attente d'affectation. Il y a deux gendarmes seulement. Vous rejoignez votre... pas m'attribué avant la tempête. Ouais, c'est suivi. Commandement de PMO. Commandement, l'écoute. Ah, aucun véhicule qui sécurise le convoi à l'arrière, hein, je recule. C'est bien pris. Je suis en fin de convoi, je vous laisse prendre le relais. Ça marche. Tu vas fermer s'il te plaît l'entrée du cimetière par Rochefort. Et tu peux passer par derrière Elios, tu seras sécurisé, le convoi n'y est pas encore. Ouais, je sais où ils sont, j'arrive. Si je fais le tour par l'acheteur pour les graines de maïs, c'est bon ou pas? Ou ça a passé par là-bas aussi? Attendez, en fait ils arrivent, ils sont en train d'arriver. Ils arrivent? Ouais, ils arrivent. Attendre, regardez. Ouais, ils sont en train d'arriver. Ah oui, voilà, c'est pour ça. J'ai commencé à sentir des... Ouais. Qu'est-ce qui est parfois en service du coup? Ouais, non, mais je vais pas attendre. Il y avoir une auto, de toute façon on verra bien c'est qui. Ouais, ça, je vais dire rien. Bon bah j'ai reçu. Celui qui devait être en haut, c'était Rivers. Ah, c'est vrai.
Là où je suis, ça vous convient ou c'est trop loin? Colonel Lazardette, j'en demanderai. Sur écoute. Nickel, pour information, il y a monsieur Garceau qui vient me demander si vous auriez, si vous y aurait une possibilité de prendre monsieur Walsh dans votre véhicule. Il est juste derrière vous et en marchant, il arrive vraiment pas à suivre. Il aimerait monter avec vous si possible. Ouais, pas de soucis. C'est quoi ces handicapés là? Départ de patrouille PAMI V2, effectif 3 militaires. Obéir, route bloquée. Parfait, merci. Dis au dépanneur de pas bouger. Ah, je suis pas à côté de lui. Non, c'est bon, attends, j'y vais. C'est bon, ça va être. Des véhicules pompes funèbres. Et un bus pour les autres. Les RATP. Ah non, ils veulent faire une marche, ils veulent faire une marche. Ce qui veut dire qu'ils vont revenir aussi à pied, je suppose. Ah ouais. Pas sûr qu'on affrète un hélico juste pour la distance. C'est pour ça. Est-ce que vous avez compté le nombre de manifestants? Négatif. Putain, sérieux? Oh, je suis à peu près à... Ouais, 25, je dirais. Ah non, 21. C'était pas loin, mais... Gilets jaunes selon les manifestants, 26 secondes enfin. La gendarmerie ou la police en général, ils disent toujours plus. Ah, ils disent toujours moins. Je me tiens toujours à l'écart. Pour ça, je dis 10 000 selon les manifestants et 26 selon Bertin. Allez-y, circulez. Je lève le dispositif de mon côté. Je pensais ces deux pauvres gendarmes là ou tous les deux au fond. À pied. Et du coup ils vont venir. Non pas à pied, vous pourrez les prendre dans votre voiture. Je pourrais. Mettez-vous bien au niveau des motos, que ça donne quelque chose de. Sympathique. Voilà, en 4, parfait. Après, c'est pas... c'est un simple citoyen, les gars. Non, on fait de la sécurisation parce qu'il y a du monde sur les routes, hein, mais ben voilà, hein, j'ai pas une tenue officielle, hein, à ce point. On veut pas que le préfet soit là. Ça, je crois qu'il s'ennuie dans ses bureaux. Ah, on avait, un entretien nous, avec le préfet à la base. Apparemment, ça a l'air d'être plus important. Ouais.
On a une durée. D'accord. Donc on n'a pas besoin de sécule retour ou ça on... Ah bah le retour si on avait. Si, ok. Bah, ils vont continuer à pied donc ça va être la même. Bon, pour le coup jusqu'à l'hôpital puis après c'est bon quoi. Ouais, quoi que ils vont peut-être partir en bordel couvré sur prendre la route. On va voir, il n'y a plus d'escorte. Ils pourraient passer derrière pour rejoindre chez Helios, ils pourraient courir dans les champs. Ouais. Ouais, il faut comme tout le monde, ils appellent la taxi. Hein. Oh non, mais après, voilà, hein, je veux dire, il n'y a plus d'escorte après. Il n'y a plus de marche quoi. Une fois que le convoi est passé. Commandement de paiement. Comment on l'écoute ? Ouais, logiquement, il n'y a pas besoin de nous pour le retour. Hein. Les gens sont libres à l'issue de la cérémonie. Affirmatif. Ok, reçu. Donc, on va rester à proximité. Donc, au cas où il y aurait des débordements ou des vols de véhicules au niveau de l'hôpital. Hein. Et sinon, on quitte le dispositif. C'est bien pris de commandement. Merci à vous pour votre concours. Le PMO terminé. C'est bon, on se casse. Ah, c'est joli quand ça démarre comme ça les deux en même temps. Commandement de famille LP. En attente. On retourne tous brigade histoire de se dispatch. Ah putain les enculés. Ils en profitent. Comme c'est bizarre. De pain de vétron, on se rend sur Loc Maria. Ouais, bien pris le commandant. Y'a pas un SR là de dispo. Je crois qu'il y a le capitaine Dupuis qui a pris son service. Prêt de service, lieutenant Connor, Tepsik, dans une espèce de brigade de Loc Maria, bonjour à tous. Respect, je vous laisse rejoindre votre unité. J'avais entendu parler d'une ORC. Bah ouais, mais ce sera à l'issue par contre de. De la cérémonie là. Ok. Ouais, c'est Abagnal qui a vu ça, donc 30 minutes après l'enterrement. Ok, parfait. Ça sera au niveau du comptoir de Bélil. De Pain de V3, plus personne sur les lieux du cybercafé de Loc Maria. Ouais, parce que niveau alcool là, ça va. Ça va y aller, je pense. Ouais, il suffit de faire des ouais, contrôles. C'est possible que ça picole derrière. Bon, je confirme, hein, j'ai bien la nouvelle Mégane dans mon garage. Hein. Je vois ça. La couleur est jolie comme ça en plus. Ouais, bah c'est la couleur de tous mes véhicules commandement. Vous aviez l'ancienne et du coup elle a été remplacée par le nouveau modèle ? Bah ouais. L'ancienne elle n'existe plus sur l'île, donc ils ont été obligés de me remettre aux normes. Gratuit. Hein. La Porsche 911 ? Ouais, un peu ça, ouais. Le même principe. Question. Pour ma part, niveau couleur, j'ai pris un bleu nuit à Matman. Ouais, voilà. On peut prendre d'autres couleurs que celles qui sont vendues dans les concessionnaires. Ah oui, oui, oui. Ok, parfait. Maintenant, tous les dépanneurs sont habilités à... Non, on est parti cet après-midi. Un peu plus, ça. J'ai pris du bleu gendarmerie. Ah, c'est ce que j'ai pris, hein.
le bleu des véhicules commandement est un peu plus foncé que les, le bleu gendarmerie donc. Mais un bleu clair peut-il passer ou il faut être absolument bleu foncé? Vous avez vu comment c'est moche bleu clair? Je suis d'accord. Dégueulasse. Si vous voulez être moche, faites ce que vous voulez. Moi je suis moche de base. Ah bon bah. De toute façon c'est voilà, c'est pour les c'est pour le commandement hein, qu'on demande ce type de véhicule hein. Après derrière les véhicules banalisés vous vous en foutez hein, de la couleur. Bonjour. Juste par la sortie moi. Bonjour. Ouais, j'ai pas fait attention non plus du coup je suis derrière. Mon chef pourquoi? Ok là c'est bon. Bertin l'a suivi. Non, non, c'est pourquoi Sinclair. Pourquoi donc, monsieur? Autant pour moi. Pourquoi donc? Hein? Pourquoi? Non, parce que j'ai eu un problème avec un monsieur qui a à peu près de cause, du coup je savais pas quel grade c'était. Ah, mais c'est-à-dire, il a... c'est quoi? Il s'est passé quoi? Ah, il parlait très mal aux gens. Ah bon? La dernière moto rentre tout de suite ou je ferme la gueule? Il voulait faire. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Bah en fait, il y avait un monsieur, il avait fait sonner le cybercafé de l'OBD. Ouais. Moi, j'étais avec des amis, et du coup, on a directement appelé la gendarmerie, il était arrivé. Et en fait, il y avait un monsieur, bah, c'était une barre au milieu, après, je sais pas si c'était il une commencée ou quoi, parce qu'on dit que ça pouvait être le tunnel ou quoi que ce soit. Si c'est une barre, si c'est parce que l'arbre était mal garé. C'est une barre en diagonale. Si, c'est une barre en diagonale. Oui, mais moi, je vous dis, moi, par exemple, c'est pas une barre en diagonale. Ah bon? Non, c'est une barre droite. Oui, à l'horizontale, pardon, à l'horizontale. Et il avait une barre du coup à l'horizontale et tout. Et en fait, il parlait très mal aux gens. Déjà, il commençait à vouloir me prendre en photo et tout. Du coup, moi, je dis non, vous me prenez pas en photo. Mon avocat a dit qu'il avait le droit de me prendre en photo que si vous voulez monter un dossier et qu'il voulait me mettre en garde à vue ou quoi que ce soit. Du coup, je lui ai dit non, vous me prenez pas en photo et tout. Il a dit qu'il voulait prendre mes empreintes digitales et tout. Et je lui ai dit non, vous prenez pas mes empreintes digitales. En plus, je crois qu'il m'a pris en photo à mon insu. Et après, il a commencé à me menacer et tout. Il me dit ouais, vous. J'étais en train du coup de rappeler mon avocat parce que ce monsieur-là, vous voulez m'arrêter pour aucun motif en fait. Ouais. Parce que soi-disant, j'aurais refusé d'obtempérer parce qu'il voulait me prendre en photo. Et du coup, il a commencé à sortir son taser. Son collègue me pointe avec son taser. Et puis, il me dit ouais, vous raccrochez le téléphone et tout. Du coup, bah, il a commencé à dire 3, 2, 1 et tout, sinon je vais faire usage de la force et tout. Il dit bon, bah, je vais faire usage de la force, du coup, j'ai raccroché. Et là, du coup, il a voulu m'embarquer. Il parlait, il y a un monsieur qui passe comme ça dans la rue, comme ça, lui, il avait rien fait, il n'y a rien à voir, il venait juste d'arriver, quoi. Il fait, toi, tu viens là enfin, il a vraiment des manières de parler aux gens, il a cru qu'on était ses chiens, quoi. Ouais, bah écoutez, c'était pas à vous dire, en tout cas, désolé pour lui. Ouais. Perso, moi j'ai rien à voir avec ça, je suis même pas au courant. Non, parce que du coup, hier, je suis venu voir en fait, du coup, la gendarmerie. En fait, c'est un élève gendarme qui m'a accueilli. J'ai dit, ouais, y a pas moyen de voir un gradé, juste comme ça, il remet droit dans ses bottes et ça va pas plus loin, quoi. Il faut non, on fait plus ça. Je suis assez moi, il y a juste à lui dire qu'il parle bien aux gens. Enfin, c'est comme si vous étiez moi supérieur et que vous me disiez que j'avais fait une bêtise. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Et il me fait ouais, non, sur faut pas se parler des gens. On va faire quelques rappels aux effectifs parce que se mettre au garde à vue. En plus, il me fait ouais, je fais plus 20 minutes. Autant me faire un peu comme ça, je fais bah, allez-y, je vous en prie, bonne journée. Puis, bah, bon. J'ai même pas compris. Y'en a, elle se laisse un peu. Le préfet se déplacer. Désolé, oh, bah, j'ai pas laissé. Moi, j'y vais pour représenter le retard d'urgence au motard et leur missile pour l'organisation. Je crois, vous inquiétez pas. L'enterrement, mais je me garde à vous, je comprends pas. Colonel Metal, c'est moi qui me suis mis garde à vous, c'était parce que Le fait que ce soit un criminel, un toit, c'est un criminel, monsieur. Voilà. On attend en retrait, on ira. Pas de polémique, pas de polémique. Non, non, il y en a pas, hein. C'est juste que ça m'a semblé bizarre en arrivant, hein. Pas de soucis. Oui, non, moi aussi ça m'a interpellé, mais bon, j'ai pas fait de cas. Non, pas de problème. Je râlerai pas pour ça, hein. Je ronchonne pas tout le temps, enfin, pas trop. Non, voilà, au bout du
compte, il y a quelqu'un qui est décédé, quel que soit son passé, c'est toujours quelque chose de cool. Exactement, donc, une vie humaine est toujours chère à nos yeux. Exactement. Bon, je rebascule sur ma courte, bonne journée à vous. Ok, merci, bonne journée Metal. On peut faire deux patrouilles, une patrouille moto, une patrouille moto avec interception. Fin de service, adjudant, chef Brian Miller, j'étais affecté en PMO 1, 4 effectifs restants, bonne soirée à vous. Bonne soirée mon adjudant. Bon, j'ai reçu, moi je peux partir avec une deuxième moto si quelqu'un me dirait moi. De toute façon, il y a qui comme pilote RS1? Brody et vous. Voilà. Ça va vite, hein. Donc, ou alors on fait comme l'autre soir. De quoi les C'est-à-dire deux motards, deux dans un Vito et un RS1. Et on fait un big contrôle vitesse avec interception. Ah ouais, ça peut être pas mal aussi, ça. Oui. Si on peut juste remplacer à la limite la mégane, enfin le Vito par la mégane, quoi. C'est quoi? Non, je disais juste remplacer le Vito par la mégane, c'est tout ce que je disais. Non. Bon, c'est pas là pour faire un déploiement des forces. Désolé, routières de la gendarmerie. J'ai un civil qui était en train de me parler par rapport à un petit problème qu'il a eu avec un lieutenant qui lui aurait mal parlé. Bon. Donc je me suis excusé au nom de la gendarmerie vis-à-vis de lui et que malheureusement... Faut savoir comment a agi le fil avant d'adresser nos excuses. Ouais, alors, après, on n'a jamais tous les deux tous les habitudes. Il l'aurait menacé en lui disant « Si tu te tais pas, je vais faire usage de mon arme et tout. » Il a mal parlé. Ah bon. Un peu mon colonel, vous pouvez venir vers moi. Ça me 2 minutes. Ça, franchement. J'arrive. J'ai du mal à y croire, toi. C'est... Non, moi j'y crois. Mm-hmm. Quand j'ai entendu des... certains font des lieutenants, tu sais. Certains ont un certain langage qui font que... voilà quoi. Bah ouais, tu montes dans le Vito et moi. Oui, bah attends, on va voir des... je vais le laisser faire le dispatch. Hein. Le Vito c'est bien, mais je trouve que... ouais. Parce qu'en fait, on s'en sert pour faire les tests d'alcoolémie ou les trucs comme ça, tu sais. Psyche 1 de psyche 2. Oui, d'accord, oui. Psyche 1 de psyche 2. Urgent. Oh là là. Psyche 1 de psyche 2. D'ailleurs, il y a quoi comme part? Il y a PAMI V2 qui est là. On a... PAMI LP sur... qui est toujours là-bas. PAMI V3 est sur Locke. Bon, en fait, il y a du monde, c'est bon, on a des patrouilles. Il y a GI qui traîne par contre sur le lieu d'Illubine.
d'ici, j'arrive à leur donner les clés. Oui, enfin, c'est pas très... Oh, ça va, je les jette. Hop. Eh ben, j'ai gardé. Tu veux une moto, tu veux être avec le Vito, peu importe. Voyez-vous dispatcher tous les deux, moi je me prends ma Yarasman. Ouais. Ok. Bon, mais go. Aux jumelles, c'est les motards. Qui veut venir avec moi? Moi je suis au Vito. Ok, bah, tiens, je te passe les clés. Je vais nous mettre les points de. Qui veut partir en Vito, qui veut partir en moto? Il y a déjà Bertin avec un Vito, il est là. Ok, et parfait. Mais on part après en moto. Tu prends ta moto et puis on part. Ouais, bah oui. Il y a une moto du coup qui est dehors qui doit être à quelqu'un qui part. T'as pas rangé ta moto toi, Bertin? Si, je l'ai rangé. Ok. C'est Sinclair. Ah ouais, je préfère éviter ce genre de choses. Tu veux conduire, Sinclair, ou je conduis? Ouais, je vais conduire. Ok. Bah oui, c'est bon. On est prêt au Vito. Négatif, j'attends que la RS1 me laisse la place pour sortir une moto. Ok, il reste une moto à ranger dans ce cas-là. C'est pas la mine. Mon colonel. Ouais. Voilà, j'ai les points à chacun. Direction lock. Ok. Donc l'idée, les motards donc prennent la vitesse de leur côté. Dispositif d'interception. Le Vito pour contrôle, les RS1 en cas de refus d'obtempéré. En cas de refus d'obtempéré en direction d'un des deux motards, il décroche ses jumelles, il pose une heure. Bien pris. Bien pris. Bah, Yi, tu préfères un côté? Bon choix, je vais choisir. Mon commandant. D'accord, tu prendras le mariage, je prendrai RPM. C'est bien pris. Donc celui qui prend Lok Maria donc pose les Hers pour ceux qui refusent d'obtempérer en venant de RPM et inversement. Bien pris. Ouais, de toute façon on annoncera. Elle est bien cette opération. Je sais pas ce que t'en penses. Ça, ouais, et nous de toute façon au Vito on coupera les axes secondaires. Bah vous le Vito en fait vous arrêtez les personnes et puis. Non mais je veux dire, pour les refus d'obtempérer, on va mettre des Hers sur les côtés de la route. Histoire qu'ils restent sur la route et qu'ils s'appellent pas une Hers plus loin. Ouais, bon après vous pouvez sécuriser votre truc, hein, sans souci. Et faut pas non plus qu'un civil moyen qui a rien à voir là-dedans se prenne une Hers. Là où je vais mettre les Hers, de toute façon ils sont pas censés la toucher. Hein. Ok. Cool l'intervention comme ça, c'est le cas. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, j'aime bien. Ouais, quoi? J'aime bien cette intervention. Sur le dispositif, on prend au-dessus de 130. On met en place. Ah bah, dis-toi que tout ça, ça okay. Va me manquer quand je vais partir au GI. Pourquoi tu veux partir au GI? Enfin, ça me regarde que pas. J'ai envie de voir d'autres horizons, une évolution dans la carrière de gendarmerie. Ouais. Mais tu pars quand? Sans indiscrétion. Bah, si je réussis les tests. Si je vois du comportement bizarre ou si je vous demanderai de contrôler. Si je réussis pas les tests, je suis toujours là. De quoi?
s'il y a des contre des comportements bizarres, des zigzags, etc. On contrôle aussi. Pas de formateur PMO. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est toujours bon de contrôler, même si après on va faire une ORC, donc aussi c'est pas sur la vitesse. Pas qu'à cause du contrôle bizarre, on se retrouve à louper la vitesse. Bien vu le dernier recrutement, PMO, qu'est-ce qui s'est passé, on se retrouve. Question con, opération, et c'est, je suppose, contrôle et R, c'est quoi? De quoi? Non, je demandais ORC, ce que ça veut dire. Ah, opération, répression, contrôlée, centralisée. Ok, merci Colin. Et OAD, opération anti-délinquance. Nous avons pas appris ça à l'école. Ça m'a peut-être échappé, il y a eu beaucoup d'infos ce jour-là. Moi je me rappelle, on lui a rappelé dans la voiture cet après-midi. Hein. Non, t'as juste dit qu'il y avait une différence entre ORC et OAD. J'ai pas entendu la signification. Adjudant-chef. ORC c'est pour les mecs bourrés. OAD c'est pour les mecs armés. En gros. Je vais deviner dans quelle catégorie le psych peut intervenir. Non, elle est bourrée, bien évidemment. Bon, là, la touche sur une OAD, on a le chien maintenant. D'ailleurs, ça serait pas mal qu'on fasse une OAD au lieu d'une RC. Moi, on peut, on garde le même dispositif avec le chien. Commandement de PO. Pouvez-vous venir sur courte PO? Comment on l'écoute? Ouais, Bagnol. Je pensais. Étant donné qu'il y a une cynophile dehors, est-ce que ça aurait pas été plutôt judicieux de faire une OAD au lieu d'une ORC? Avec contrôle stup, identité, tout bazar. Je savais pas qu'il y avait une cynophile qui était dehors, mais c'est une excellente idée, mon colonel. Ah oui. Oui, il y a une cynophile. Ah, même s'il n'y a pas de cynophile qui est dehors, il y a des maîtres chiens qui sont en service, donc ça vaut quand même le coup de voir avec eux. Je vous laisse contacter Metal pour voir. Sans problème, mon colonel, je vous tiens au courant. Le préfet était prévenu, il se rendra sur les lieux avec pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est prévu pour 23h. Ok, c'est reçu. Par contre, ouais, bah, du coup, notifiez bien que ça serait une OAD si c'est bon du côté du psychiatre. Je prends contact avec eux et je prendrai contact avec le préfet directement. Ouais. Ah, 3h, c'est tard, quoi. On va attendre 40 minutes ici. On va pas attendre. Ça va être assez fluide. Abusé quand 23h, c'est. Il y a un peu de monde au cuivre. C'est bon, tout le monde est en place, je peux commencer. Négatif, je peux pas arriver. Je viens d'arriver, c'est bon. Parfait. Point contrôle, c'est bon. Ah, négatif. Bien pris. Erosman prête. Bandit prêt. Ah, oh, mais j'ai plus de panneau. Tiens. T'as combien de stops? Bah, il est prêt. Adjoint gendarmerie. Reste plus que contrôle. J'ai un. Un, parce que du coup, je l'ai perdu entre l'orage. Ok, on n'a pas pensé à refaire le pactage, on est en sous moyen niveau balisage. J'ai beaucoup de choses sur moi, si vous voulez, je peux venir vous dépanner. Vas-y, ce serait pas mal ça, je te remercie. Tu veux quoi après? Tu veux des déviations gauche-droite? J'en ai deux de chaque. Du coup, bah, il se lève de son poste et va apporter son pactage. Des triflages. Il y a un petit chat là, regarde Bertrand, il y a un petit chat là. Si tu me racontes. C'est pas le petit chat? Ah ouais. Moi j'ai déjà fixé des entrevues à demain pour les réservistes. Miaou. Qui s'est barré. Tiens, t'as des panneaux là. Je crois qu'il a pas reçu. Ça, c'est l'alcool ça. C'est quoi? J'ai déjà fixé deux entrevues pour les réservistes demain. Nickel. Pour lesquels? Il vous faut quoi, Vito? Ah, le gendarmerie, c'est un.
Ah, tu me passes tout ce que t'as. Je vais mettre dans le vito, j'ai les clés. Pour Maverick et Johnson. Ok. Mets-toi à l'intérieur au pire. Et on vient de me retirer les droits, c'est parfait. Quoi? Demandez à quelqu'un. Ouais, je te remercie. Ouais, d'ailleurs. Là, tu as accès, là, depuis ici. Je garde quand même une herse au cas où. Ouais. J'en ai, c'est clair des herses. Bah, refile-moi une, alors je veux bien, parce que du coup, j'en ai plus qu'une. Attends. Comment on m'écoute? C'est jamais. ETA avant d'arriver sur Locmaria, s'il vous plaît. C'est OP1, s'il vous plaît. Alors, la technique, quand tu vas poser une herse, dès que t'as l'info, on te dit... Test radio. Tu vas sur la route, tu poses tes herses, tu quittes la route le plus vite possible. Ok. Tiens. Dès qu'on te dit go, hein, parce que si on te dit go, c'est qu'il est sur nous, tu fais en un seul coup. Tu fonces, poses, tu te casses. Ok, c'est noté, bah, je vais faire ça. Merci. Ok, nous on va mettre en place. Bon, notre part, on va mettre le dispositif en place. Bayis se retourne sur sa position. Je pourrais pas rester mon colonel jusqu'à 23h par contre pour l'OAD. Ok, ça va. Envoie mon dos. T'inquiète. J'ai un visu, t'inquiète. On surveille encore mon dos. Payé est en place. PMO de commandement sur votre courte. Sur écoute. Donc OAD confirmé pour le PSIG, y a pas de souci. Je tente de contacter le préfet pour le prévenir du changement. Ok, c'est reçu, envoyez lui un SMS, il est en pleine cérémonie. Je vous laisse faire un retour BTLP pour dispatch des polo AD. Vous pourriez vous faire un retour BTLP? Au plus simple, hein. Ouais, ouais. Attention, secteur. Dispositif prêt.
colonel, vous êtes prêt? Mordieu. Eh, t'as vu, Bertin? Pas de la herse. Boah. Lieutenant Woods de Captain Dupuis à l'angle. Allez, écoute. Passez courte OPA, s'il vous plaît. Oh, ils ont amélioré les herses. On peut les jeter maintenant. C'est génial. Ah, sérieux? Ouais, la fille. Elles sont ouais, c'est efficace, j'ai fait ça à la demande, tu sais, quand il y a l'autre qui a porté plainte contre nous. Ah oui. Oh non, mais il m'a saoulé. Ah, je lui ai répondu. Là, au moins, c'est efficace, on se met pas en danger sur. Ça, c'est top. Et puis même, c'est plus pratique, quoi. Bonjour, vous arrêtez. Il devrait être commencé depuis 3 heures. Ah mais c'est bon là, il est prêt le dispositif. Je vais descendre. On entame un contrôle actuellement. S'il vous plaît. Bien sûr. Bonjour. Il y a un excès de vitesse? Vous pouvez me présenter une... Je ne pense pas, pas d'annonce. Curiosité. Négatif, pas d'excès, ouais, il était à 110. Permis de conduire, s'il vous plaît. Bon, s'il y a un excès, vous le laissez. Hein. Voilà. Ok. Monsieur Gomez, c'est bien ça? C'est ça. 156. Ouais. Les gars, c'est direction d'appartenance. Depuis RPM. Hop. 131. Le maximum 156 du coup. J'aurais juste un truc, monsieur Gomez. Voiture noire. Bien sûr. Immatriculé FH111IH. Je vous rends au papier, monsieur Gomez, et je vous souhaite bonne continuation. Soyez je merci. Sur la route. À vous aussi. Au revoir. Bonne journée. Tu peux réitérer la vitesse? 156. 136. 156. Je te confirme ça. C'est un 156. 160 pour le dépanneur. Sérieusement? La fille. 100 giro. Bonjour. Présentez-moi votre pièce d'identité et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas comme la dire, hein. Il agit pas en urgence. Il est mis en place. Ça va. Tous les jours en ce moment, je flash des dépanneurs. Donc 160 pour le dépanneur immatriculé EK. Commandement de famille LP. SG. Pour information, famille LP, somme de effectifs, les gendarmes et gendarmes demandant à ce qu'il y aurait une possibilité d'affectation d'un LPG. Rendez-vous au mur des dispatchs. Qui va passer sur votre terrain. Pape P2, Pape P3 de commandement, veuillez faire un retour brigade, s'il vous plaît, merci. Je vais vous demander de suivre votre véhicule, s'il vous plaît. On va se mettre sur l'herbe, monsieur. Alors là, pas forcément, avec les rochers, c'est pas possible. Vous pouvez le mettre au moins là, si vous voulez, juste là. Très bien, monsieur. Alors, monsieur Lecoeur, seul de la contrôle, monsieur Lecoeur. Pour excès de vitesse. Voilà. Monsieur Lecoeur. Intervention gendarme. Intervention gendarme. On m'a, entre guillemets, on m'a permis de dépasser un petit peu. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu plus que dépasser. C'est qui vous a appelé? Alors c'est je sais pas, c'est mon central qui a récupéré l'appel, mais il m'a dit que j'avais un excès de vitesse hors agglomération. C'est au jeu de PMO. Après oui, je sais que là j'ai dépassé un, mais un peu de trop. Donc colonel sur courte. Allez écoute. Passez courte PMO, s'il vous plaît. Écoute, surfez-moi. Oui, dites-moi, vous avez contacté les dépanneurs pour la gendarmerie? Négatif, j'ai rien contacté. Enfin, on était affilié au. Enfin, on assistait le cortège de monsieur. La cérémonie de monsieur Ramsom, je me suis pas occupé du sujet. Mais comme personne répond et que je suis le seul en famille LP, donc.
C'est bien reçu. Bah, demandez sur la longue, hein, qui est-ce qui a contacté un dépanneur, parce que clairement, c'est pas le sujet. En l'ensemble, merci de me dire qui a contacté les dépanneurs, s'il vous plaît. C'est plus vraiment c'est sur la ligne blanche, là. Ouais, bien sûr. mon colonel, il les a autorisés visiblement à faire un excès de vitesse. Bah, vous demandez à métal. Pas aussi haut, mais. Bien, du coup, Delkika, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Colonel Surcourt. Vous avez été flashé à 156, du coup je vais appliquer les réductions de tolérance. Hein. Pas du tout, là. C'est bien reçu. Genre, moi j'autorise à faire des excès de vitesse, génial. Non, mais je préfère demander confirmation. Ils ont dit, ouais, c'est les gendarmes, ils ont ça dit. Fait... C'est ça, oui, 7,8. Ils avaient l'autorisation. Ça fait 156 moins 7,8. Oh, t'as intérêt les enculés, là. Ouais, t'inquiète pas. Fait des 148. Merci, messieurs, bon courage. C'est pas tout seul devant Béthur, c'est bon ? Bon, la vitesse de la route. 90. Non, c'est bon, j'ai James. T'as fait du 58,8. Attends, parce que c'est lui qui a compris qu'on emmenait les sauts au labo. Alors, monsieur Leclerc, bah, on éviterait quand même de. Bah de écoutez, moi j'oublie mais... ce qu'on me dit quoi, enfin j'oublie. Pas le choix. Hein. Ouais, mon central il me dit que j'ai le droit. Faire un peu quoi. Votre central. Ouais. Mais pas notre central. Donc je vais vous présenter central, vraiment dans d'après, conséquence. Quoi. Ouais, chez vous. Pas chez vous faites attention parce que si vous recommettez exactement la même infraction, à la même vitesse, ils ont jamais autorisé. Vous serez retiré. Pas moi qui gère donc. Ah ouais, donc, c'est pour moi qui hier, donc je peux pas... C'est une amende à 4 000 € pour un excès de vitesse à 50 km/h jusqu'à 79 km/h. Ça fait quand même 70 km/h au-dessus. Hein. Ouais, attendez deux secondes. Présente le papier. On m'appelle, ouais, je suis en contrôle là, attendez, je peux pas. Merci, du coup... Bah ouais, mais je suis en point, contrôle, donc je peux une pas. Notification. Je vais voler. Non mais je vais me déplacer, vous perdez... 6 points. 10 points. Bah ça, oui, je sais bien, urgence, mais bon, urgence, mais voilà, je me suis fait gauler quand même. Urgence, ouais, pas mais... du tout. Voilà, je vois mon papier. Bah, ouais, il va encore me dire urgence, hop. Urgence. Mais c'est bien, urgence, pas du tout. Donc, du coup, c'est pas votre véhicule. Pas votre surtout que les motards à l'extrémité sont pas. C'est bien, vérification si vous voulez pas quand tu les vois, tu vas pas les autres. Comme moi, il a une confirmation. On est assez discret. H. Bon, et puis le mec il aura tendance à regarder son rétro. Vous êtes toujours sur le véhicule de gendarme là ? Monsieur Jean-Marie Delkic. Attendez. Et il y a un véhicule immobilier de la gendarmerie ? Pour moi c'est. Ouais, ça a ramené à la brigade de Le Palais. Vous pouvez reprendre le véhicule immobilier et... de la enfin, gendarmerie. Enfin, jusqu'à ce que Goyette se mette en marche. Je vais vous faire réinsérer dans la, ouais, sur la route. Ouais, brigade LP, vous le ramenez. Ouais, c'est pour ça, faut pas faire ça pendant 3 heures. Vous voulez que je garde le véhicule sur le côté ? Et là, clairement, ouais, je sais ce qu'on soit appelé pour se mettre en place pour l'OAD. C'est clean. Le métal de commandement sur longue. Contrôle sur l'OAD, terminé. J'écoute. Autorisation de passer sur votre courte. Merci. Du coup, ça fait une demande de je vérifie. Lieutenant. Écoute. On est à 70 km/h au-dessus. 70 km/h, c'est quoi la vitesse? C'était 160. 160 x 5 divisé par 100. Ça fait à peu près. Ça fait 8. Donc 160 moins 8. À 152. Oui. Attendez. Moins 8. Ça fait 152. Moins 90. Ça fait 50 km/h. Ça fait 62 et pas 70. Oui, 60. Avec cette vitesse à 62 km/h. Oui. Si tu veux, je leur fais plus simple, non, ça fait retrait de points 6 points. 6 points et 4 000 €. Il me restera plus que 2 points, je crois. Bah écoutez, je vous dirai ça par 12, la suite. 12 moins, 12 moins 4, ça fait 8, hein. Ouais, il me restera 2. Bon, je passe le coup, là. 12 moins 4. Bah 12 moins 4, ça fait 8. Je vous le signe dans le cadre. Non, mais c'est 6 points. Ouais, mais j'ai 8 points, donc 8 moins 6. Ça fait 2. Ouais, ça fait 2. Ouais, donc il m'en restera 2. Vous voulez que je vous représente mon permis ? Attendez, je vais vous dire ça. Je conseille de repasser un stage le plus vite possible. Hein. Ouais, bah ouais. Hop, je vous laisse me le présenter, je vais vous dire combien il vous reste de points. Ouais, le permis V2, ça m'est arrivé, brigade. Affirmatif. Ah, bah je me suis retiré. Merci. Et vous demande de faire attention, et c'est pas votre centrale qui vous autorise. Non, faites attention parce que si vous mangez un radar automatique, le permis va sauter direct. Ouais, je sais bien, ouais. Bah, du coup, je vais rester à 90. Ouais.
Et vous direz à votre centrale que c'est pas lui qui autorise les excès de vitesse. Yes, pas de soucis, merci. Au revoir monsieur. Au revoir, bon courage. Merci. Je repars du contrôle. Je descends maintenant. Véhicule, véhicule, véhicule. Oh, on va les faire rentrer comme ça là dès qu'ils ont passé les stops, on les met sur les côtés. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour gendarmerie, présentez-moi votre pièce d'identité et votre permis de conduire s'il vous plaît, ainsi que la carte grise du véhicule. Pas de problème. Voici ma carte d'identité et mon permis de conduire et ma carte grise. Monsieur Soretto, vous n'avez pas conduire. Bon, merci pour la carte grise, voyons voir, est-ce que c'est bien votre véhicule? PMO sur langue. PMO sur écoute. Alors. Autorisation de venir sur votre corps. Affirmatif. C'est 900. Oui. Bertin sur le corps. Ouais. Le bonhomme, tu l'as déjà laissé repartir ou t'es en train de... Non, si, il a été amendé 6 points. Personne sur la route. Mais il était à combien? Ouais. Ok, votre véhicule est bien verrouillé. Hein. Ah, il était avec un rapport. Ouais. Ok, d'accord. Non, je suis juste pour savoir quand est-ce qu'il est. Et puis, visiblement, c'est que du pipeau, hein, mais je lui dis, c'est pas sa centrale à dire s'il a le droit de faire des excès de vitesse ou des trucs comme ça. Hein. Bah, ouais, en fait. Mais bon. Ok, bah je t'en remercie, Bertrand. Pas de problème, mon courage. Et moi sur votre courte. Sur écoute. C'est pour l'OAD que vous avez préparé? Non, on est en opération vitesse. C'est on bien pris. On est pris pour arriver sur le palais. Bon, on est pris pour l'OAD, hein. Vous inquiétez pas. Ok, c'est bien pris. OAD prévu pour 23h. Les positionnements sont déjà inscrits sur carte. Bien pris. Avec nous. Couleur me plaît. C'est bon, vous êtes sur moi. Deux. Bah, il y a que tout sur la carte. D'accord, merci beaucoup. Je vous rends vos papiers et votre carte grise. Ils sont tous dans des brigades. Vas-y, regardez bien des deux côtés de la route avant de traverser. Non, je veux dire, il n'y a pas les positionnements en psy et les PAM. Au revoir. Ça, je sais pas. Bon, après, il sera au cœur du contrôle. Franchement, j'aime bien ce dispositif. Normal, c'est moi qui gère, non, je déconne. Et puis le point PMO 2, il vaut mieux le mettre après le virage quand même. Non, mais c'est cool le truc comme ça. Ouais, je pense aussi. Dispositif, il se termine dans à peu près combien de temps? Ouais, il y en a pour une petite demi-heure. Quoi qu'il en soit, si un mec est en refus d'obtempérer et qu'il veut partir hors de la route, celle-là elle est morte pour lui. Regarde le nombre de hertz qu'il y a sur le chemin. Et là, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'en ai une dans les mains, ça. Je peux l'acheter sur la route au cas où. J'ai un Volkswagen qui arrive, il est assez rempli donc faites attention. C'est bien aussi. Sécurisation. Moi je prends le SIG. Même dans un piteux état. En retrait. Peut-être qu'il a eu au garage. J'ai le SIG. Tu fais le contrôle, je te regarde. Ouais. Tu fais N'hésite les... pas. Hein. Tu fais les cifs des noms, si tu veux, je te l'ai dit. Enfin, je te donne le nom, tu me dis s'il est FPR. La vitesse est correcte. Affirmatif. Bon, correct. Il était à 113, mais on prend plus de 130, donc... C'était les agriculteurs, ça? Affi. Ils étaient en tracteur? Ah non, Volkswagen bien rouillé, vieille de 20 ans, mais... Ils ont des véhicules dégueulasses.
C'est toujours des véhicules rouillés. Bon, hier j'ai vu une R11 rouillée. A mon avis ils font les casses hein. Pour les véhicules. Mon colonel, vous voulez que je convoque aussi l'AFRA ou vous allez vous en occuper? Qui est le dernier? Celui que vous avez accepté, oui. Ah bah vous pouvez convoquer, hein. Le but c'est okay, de... vous pouvez convoquer tout le monde le même jour et puis les faire patienter qu'ils passent chacun leur tour. Ok. Et après derrière, on leur communiquera par courrier soit une lettre de refus. Départ de patrouille, pas mis le palais, effectif comme militaire. C'est arme à l'œil franche. Bien prêt. Le dépanneur qui se déplace vers votre position. Commandement de psych sur longue. Commandement à l'écoute. Oh non, bah, cette fois-ci j'annonce pas du test, il n'est pas. Il fait pas de dépassement. Bonjour. Et tu peux contacter les filles. Je vous remercie beaucoup. Présentez-moi votre pièce d'identité, votre permis de conduire et la carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Ceci pour vous. Et voilà pour la carte grise. Oula, je vous demanderai de faire très attention pour ce qui est du permis. Oui, oui, oui. Hein oui. N'oubliez pas qu'apparemment ici tout oui. est relié en pointe. Mais. Bonjour, je vous laisse avancer à mon niveau, s'il vous plaît. Ça roule doucement. Ça fait demi-tour, ça fait demi-tour. Vers où ? Direction. Ah, direction ? Pour moi, il n'est pas parti, il est arrêté. Non, c'est juste... Bonjour. Alors, c'est juste dévié ou... C'est pas dévié, je vous demande d'avancer, vous procédez au contrôle. Monsieur. Ah, j'ai pas... C'est bon, c'est sécurisé ? C'est affirmatif, c'est clean. C'est plus clair dans les communications, là. Sur la position. Je vais vous arrêter, s'il vous plaît. Ouais, parfait. Je vais venir vers moi, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Vous me présentez une pièce d'identité et un permis de conduire, s'il vous plaît. Bonjour, donc voilà la carte d'identité et voilà le permis. Très bien, merci, monsieur. Hop. Monsieur Corleone, John Corleone. C'est ça. 11 points sur votre permis de conduire, monsieur Corleone. Il me reste un point. Ouais. Un point. Faut que vous fassiez un stage, hein. C'est vraiment... Ouais, je vais y aller urgentement dans pas longtemps. Ouais, parce que là, un point... Ouais. Le moindre petit truc, essayez quoi. Ouais, j'imagine. Hop, très bien, j'aurais juste quelque chose, très bien, ça c'est bon pour moi. Écoutez, hop, je vous invite à venir au niveau du Vito, procéder à un test d'alcoolémie, d'accord? Ouais, pas de problème. Ah, je te disais pour le détour, hein. Je pensais que c'était une déviation en fait. Y'a pas de problème. Hop, je prends la machine. Je vous tends tout ça. Attendez, hop. Ça va, Y? Oui, ça va bien. Y'a pas trop de monde chez vous. Non, bah, à part un dépanneur qui sortait de dépanne 4 lits et un mec, y avait personne. Très bien. On va pas tarder de toute façon. Hop. Je vous reprends la machine. Tac. Bien, de toute évidence, hop. 5 contrôles. Parfait. 2 retraits de points. Tac. Je vous remets la machine là. Bah écoutez, monsieur, je vous laisse retourner à votre véhicule, y'a pas de problème. En sachant qu'il y a une bonne partie reprendre la route de la populace qui a été à l'enterrement. Oui, je vais aller. Faites un stage quoi, c'est vraiment. Je vais aller ce soir. Bon courage, monsieur. Merci, vous aussi. Au revoir. Thank you.
Moi, cette route, elle est vide. C'est très rare qu'il y ait du monde qui passe par là. Lieutenant Sinclair de commandement. Transmettez. Pouvez-vous passer courte opération, s'il vous plaît? C'est bien reçu. Transmettez. Oui, transmettez. Ah oui, et justement, je suis avec le PMO actuellement. 132. ODR 6 c'est noir, c'est RM 194 KP, 132. C'est reçu. 130 moto, RR 573 ZB depuis RPM. Reçu, je vais essayer de contrôler les deux, ça va être compliqué. Donc RS 6 depuis LOC. La RS 6, c'est le PSIG. Ah bon, ok. Donc je répète pour ma part, moto immatriculée RR 573ZB à la hauteur de 130 km/h. Ah, c'est reçu, je m'occupe de... Commandement à tous les effectifs réunis pour le, l'OAD. Début de l'OAD, 23h10. Veuillez vous rendre sur le site prévu à cet effet, merci. Ok, on termine le contrôle et puis... Bonjour, le contact moto, du véhicule et descendez de votre moto, s'il vous plaît. Oui. Vas-y, procède au contrôle, Bertin. Déjà, merci. Pouvez me présenter une pièce d'identité et un permis de conduire, s'il vous plaît. Voici ma carte et voici mon permis. Je sais pas. Ma vitesse, ok. On le veut à combien, Brody? 130 km/h. Réel, j'ai pas mis le pourcentage. Bah, vous pouvez plier, on va se rapprocher. C'est bien pris. On tire avec pas noir. 130 x 5 divisé par 100, ça fait 6, 5. Donc tu fais 130 moins 6, 5. Ça te fait la vitesse réelle qu'il a, 123,5. Et le retrait de la vitesse de la route, 33,5. V2 arrivant sur dispositif. Bonjour, tu peux passer? Merci. C'est une contravention. Alors, je vous présente les papiers. Tac, tac. Tac, alors. Catégorie. Bah, voilà. Ouais, putain, derrière moi qui est 2400. Chelou, qui ralentit et... Voilà, je vous présente l'amende en conséquence. Ouais. Bien, présentez-moi votre juste derrière, s'il vous plaît. Il a ralenti quand il m'a ouais. Vu. Ouais. Arrêtez de psy sur dispositif. Je vous remercie, monsieur Maxime Loral. Procédez en retraite, point oh, en conséquence. C'était une bonne OP, hein. Retraite ouais, ouais, ouais. S'élève à ah, la dernière fois, c'était bien. 3 points. Ah ouais, lâche. D'accord. Vous devriez recevoir une notification de la préfecture. Du coup, je vous rends vos papiers. C'est bien votre véhicule? Merci. Oui, oui, c'est bien mon véhicule. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Du coup, je m'en vais de faire attention sur la route. Remettez votre casque. Les oui. Motards, vous pouvez vous rendre sur l'OAD. On va commencer à anticiper. Bah, je t'attends. Ah, c'est bon, tout est terminé. Récupérez bien vos panneaux. Vos herses
rendez-vous. Bah y'est. Oui, je sais, bah c'est bon. Merde. Ok. Je m'occupais juste de répondre à monsieur. Tu me rattrapes et puis... Yo, bienvenue sur le stream. Je vais devoir arrêter le stream, les amis. Après. Ouais. Bon, un petit souci, hein, parce que c'est son Vito. J'en ai un autre de Vito, si c'est pas un problème. Ah bah en fait, il faut qu'il rentre en brigade, il faut que quelqu'un le ramène. Non, 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 c'est bon. Ah merde, ouais. Ouais, tu restes là avec le Vito, merde. Ou de toute façon, il y a déjà des devs sur place, donc t'as pas besoin oui, de voilà, véhicule. C'est pas gênant si ouais. Y a un conducteur seulement. Mais effectivement, faut déposer d'abord Bertrand. Mitch peut l'accompagner en moto si c'est que ça. Ouais, éviter, normalement c'est pas prévu, hein. On fait ça vraiment quand on n'a pas le choix, là... C'est du confort, quoi. De toute façon, là... Bah y tu te positionnes sur les points là, on va se mettre sur OAD. Je me mets sur Rufac. Et après. Je me mets de quel côté sur les points moto Tu te mettras sur direction RPM, je me mettrai direction Sozon. Les amis, je vais devoir arrêter le stream ici. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis à demain pour la reprise du stream. C'est bon, je suis en place. De ce que je vois, le dispositif a l'air propre. Je pense que Bertin, je peux l'arrêter.